à mon époque, qui s'étend sur le XXe siècle, les technologies numériques à leur premier stade de développement par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui au XXIe siècle. À cette époque, il était déjà clair que les technologies numériques et les ordinateurs avaient le potentiel de transformer de nombreuses dimensions de la vie humaine et de la société. Et mon ouvrage « L'inconscient machinique » écrit en 1979, reflète une compréhension précoce de cette transformation. Mon travail se concentrait sur la notion de machine et sa relation avec la subjectivité et la culture. Dans cette perspective, je voyais les machines et les technologies comme des éléments actifs dans la formation des subjectivités et la production de réalité par le biais de la co-création. J'ai proposé une déterritorialisation entre les frontières de l'humain et du non-humain, bien que je n'ai pas prédit de développement spécifique, j'ai énoncé une série de questions permettant de comprendre la complexité actuelle. La co-création implique une collaboration créative dans la production de connaissances, transformant l'éducation en personnalisant l'apprentissage et en enrichissant les expériences. Ce changement dans la production de connaissances conduit à des formes de coopération et redéfinit la perception et la subjectivité, anticipant ainsi l'évolution continue au XXIe siècle. En explorant l'interaction homme-machine dans l'éducation aujourd'hui, je souligne la complexité de ces liens en proposant une pensée machinique dans la construction des singularités. L'intelligence artificielle a imprégné l'éducation, proposant une coévolution dynamique. Dans cette dynamique, la technologie n'est pas externe, mais fait partie intégrante de la vie quotidienne, modelant les perceptions et les comportements. L'intégration de l'intelligence artificielle dans l'éducation en offre une personnalisation, mais elle est confrontée à des défis éthiques et transforme les compétences professionnelles. Sur la base des avancées technologiques actuelles, j'imagine des salles de classe fluides où la coévolution se manifeste dans des environnements adaptatifs. Il existe une relation horizontale entre les enseignants et les étudiants où la co-création est encouragée, ce qui remet en question la hiérarchie traditionnelle. La technologie, en produisant des scénarios de singularisation, ne devrait pas homogénéiser, mais catalyser une multiplicité de perspectives pour une éducation enrichissante au XXIe siècle.